thèse qu'on m'avait demandé, c'est en partie électrique, savoir les performances. Donc, je vais mettre EV. Voilà, le voyant ici allumé. Là, je suis en 100% électrique et je vais donc voir quelle est la vitesse max en électrique uniquement, pure. Donc, je suis obligé d'appuyer pas trop trop fort, sinon il va réveiller le thermique. Alors, chose aussi que j'ai remarqué, c'est qu'à environ 80 km/h en mode électrique, on sent le passage de la deuxième vitesse. Comme là d'ailleurs, à 125 km/h, le passage de la troisième vitesse. Je suis toujours en mode électrique. Encore en mode électrique. En électrique. Ah, j'aurais cru qu'à 140 il allait se mettre en thermique. Hein, et pour vous prouver, le voyant il est toujours allumé, il est en électrique. Désolé pour la qualité. Il est toujours en électrique. Bon, a priori, la vitesse max est 172, 174 dans ces environs. Là, voilà, là j'ai eu le moteur thermique qui a pris le relais. Voilà, parce que il y avait une petite montée. Donc, bah, pas si ridicule hein, la puissance en électrique, sachant que de façon générale, c'est limité aux environs de 140 ou 150 km/h. Bon, bah là, vous l'avez vu, hein, voilà. Donc, j'ai répondu à la question qui m'avait été posée. Je ne me rappelle plus de qui, mais ça, à la rigueur, peu importe. Voilà. Donc, si vous êtes, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, j'ai remarqué sur la partie électrique, donc passage de vitesse à environ 80 km/h, et donc il y a comme un ralentissement pour comme si l'embrayage a été long à prendre la vitesse, et puis après dans les environs de 126 km/h, 125, pareil, rebelote, et puis bon, sinon ça a l'air de bien fonctionner, hein, y a pas de souci. Et puis même là au niveau de l'autonomie électrique, c'est pas pour autant qu'elle a pris une grosse claque en faisant de la grande vitesse. Voilà, bon, je vous dis à très bientôt pour peut-être encore un test pour une question qu'on m'aura posée.